c'est avant tout l'histoire d'un saisissement. C'est le mien, devant ce tableau de Sébastien soigné par Irène, qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Rouen. Tableau devant lequel j'ai eu un saisissement devant ce très beau visage de jeune fille, dans cette attitude, cette expression de tendresse, de sollicitude un peu inquiète, qui tente de réparer, de ne pas blesser davantage le jeune homme étendu à ses pieds. Et devant cette expression, je me suis dit, c'est vraiment ce regard-là qu'on porte sur celui ou sur celle qu'on aime. Cette même inquiétude, cette même sollicitude. Et ça m'a renvoyé à une histoire beaucoup plus personnelle où je me suis dit, mais oui, toi aussi, c'est avec ce regard-là que je t'ai aimé. Et puis la fiction se mélange au personnel et finalement, j'ai donné la parole à cette narratrice qui va remonter le cours d'une histoire un petit peu difficile, complexe, et va finir par s'en libérer. Et en même temps, j'ai choisi de donner la parole au peintre Georges de la Tour dans le processus de création de ce tableau, de la toile blanche jusqu'au destin qu'il ambitionne pour cette œuvre, avec toutes les contradictions, toute la tension qu'il y a entre l'homme, un homme parfois brutal, dans des instincts quelquefois, c'est ça, très, très, très brutaux, et puis l'artiste qui à un moment va donner le meilleur de lui-même et l'homme s'efface. Et il y a aussi une troisième voie qui est celle de Laurent, le jeune apprenti du peintre à qui il va confier la copie de ce tableau. C'est un orphelin de la guerre de 30 ans qui l'a recueilli, qui est extrêmement doué et qui va tomber amoureux du modèle qui n'est autre que la fille du maître. Donc là, interdit, transgression sociale. Et ce jeune garçon va devoir faire des choix, des ruptures pour trouver finalement sa place. Donc c'est une histoire à trois voies, à deux époques, et c'est quelque chose qui poursuit toujours des questions qui m'obsèdent un petit peu, c'est-à-dire finalement où et à quel moment sommes-nous à notre juste place dans notre vie, et pourquoi parfois l'aveuglement amoureux qui est au centre de ce roman, et puis aussi cette manière dont nous sommes totalement démunis, totalement nus lorsque nous aimons. En écrivant en fait sur la toile blanche, je me suis aperçue que tout ce que je disais me faisait fortement penser à la page blanche, à ce processus de création totalement mystérieux, qu'à un moment quelque chose émerge du vide. Voilà. Et quel que soit le support, ça reste quand même une grande interrogation, un grand mystère. Pourquoi à ce moment-là, on va être percuté, harcelé par quelque chose qui vient nous interroger dans notre vie et qui demande à prendre corps.